Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Kelly pour essayer un nouveau jeu. On va jouer à Mamie Moule Maki. J'ai toujours du mal à le dire, je trouve. Mamie Moule Maki. Dur à dire. Le principe du jeu, ça ressemble au petit bac. En fait, on a, quand on ouvre la boîte, on a comme des petites ardoises. Au Véleda. Oui, au Véleda. Dessus, on va pouvoir écrire des réponses. On va avoir des points. Derrière, on a des cartes. Et dessus, en fait, c'est là où on va retrouver les thèmes. Et on a différentes cartes. Par exemple, avec Kelly, on va avoir chacune notre carte avec les mêmes questions. On a nos petits pinceaux pour écrire, on a le dé pour choisir les lettres, c'est ça, et le petit sablier pour décompter le temps. On va découvrir ensemble le jeu. C'est un jeu de 2 à 8 joueurs et plus de 16 ans. C'est ça, et 30 minutes et plus si affinité, ouais, en moyenne la durée de jeu. Et oui, on a lu en vrai quelques questions et il y en a où on peut pas jouer avec des enfants. Voilà, voilà. Et à la fin, c'est ça, donc nous on va écrire différentes réponses et ensuite on choisit si notre réponse vaut 2 points, 1 point ou 0. Ouais, tes adversaires choisissent si tes réponses sont valables. C'est ça. Alors, tu lances le dé. 2. N. Hein, effectivement, c'est pas pour les mineurs. Non mais déjà, je me suis trompée de ligne. Ok. Plus... Si oui. ça le fait, j'en ai un ou deux, ça va pas être facile en un mot. En fait, c'est ça, c'est en un mot, on est d'accord. Oui, oui. Ah, si, moi, j'en ai qu'un. Je suis trop nulle là. Non mais franchement, je suis pas du tout inspirée. Putain, j'ai trop bu en fin de soirée, j'ai... Je cherche avec... Après, N, c'est régulièrement des voyelles. Donc, fais dans ta tête, N-A, N-I, N-U, N-E... C'est spécialité de la gastronomie française. J'ai mangé de la... Le monde serait meilleur avec plus de... Le sablier s'est arrêté en fait. Ah bah c'est fini. Bon franchement en fait c'est pour ça tu vois moi que j'aime pas. Parce que je galère sur le temps. Mais j'ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5 mots. Vas-y, t'as gagné sur cette partie là. Bah non parce que mes mots sont pas forcément valables tu vois. On va voir. Fantasme inavouable. J'ai pas trouvé en N. Moi non plus. Ok alors rien, 0-0 pour tout ça. J'ai beaucoup trop bu en fin de soirée, j'ai... Niqué. Bon bah moi aussi. C'était mon premier mot, j'ai niqué. On se met 2 points. Oui, bah oui, c'est pas mal. Allez. D'ailleurs, j'ai pas écrit du tout niqué comme... C'est écrit comme la marque. Oui. Les enfants l'adorent. Un nounours. Bah alors, il y a un S. Nous. Ah oui. Et moi, j'ai mis nounou. Nounou, les enfants l'adorent. Spécialité de la gastronomie française. Des nouilles. On est trop doués sur les nouilles. C'est pareil. Regarde, je vous ai fait des nouilles quand vous êtes venus manger. Allez, c'est vrai, c'est vrai. C'était des nouilles de riz et des nouilles de pâtes. Tu me mets combien? 2. 1 ou 2? 2. Oh, t'es gentil. Allez. Raison de se mettre au sport. Du nudisme. J'arrête d'être bonne quand tu vas à la plage. J'avoue. Ça le fait? 1 ou 2? Ouais, 2. Le monde serait meilleur avec plus de... J'ai pensé à Nike. Avec plus de Nike. De chaussures. Avec plus de chaussures Nike. Je sais. Bah, je te mets 1. Parce que j'avoue que j'aimerais bien avoir plein de baskets Nike. Oui, si je trouve en avoir. J'ai trouvé le mot, quoi. Mais ça vaut pas grand chose, je suis d'accord. Après, bah, on compte. Attends, du coup, on n'a pas fait mot à utiliser pour paraître plus intelligent. Je me sens légèrement naturelle. Non, ça va pas. Et problème de vieux? Non, j'aurais pas trouvé. Problème de vieux, ouais, pareil. Du coup, là, on compte le nombre de points. Donc là, j'ai 4. Et en bas, on peut écrire le petit nombre de points. Par contre, il faut faire attention parce que de ne pas effacer. 2, 4, 6, 8, 9. J'ai 9 points en premier tour. Bon, ça commence mal. Ah, j'avais pas vu. Tu peux effacer derrière. Oui. Mais c'est trop bien. Pas besoin de se balader avec ton sopalin. Et oui, je trouve ça cool. Du coup, on peut jouer. T'es pas obligé de chercher un stylo, du papier ou quoi. Tu peux jouer direct. Tout est dans la boîte. Alors, carte suivante. J'espère que ça sera un petit peu plus facile. C. Façon dont le monde pourrait finir. Je sais pas si c'est normal ce que j'ai. Mot d'argot. Ok. Ah, je suis pas douée en mot d'argot. Quelque chose qui tient dans un dé à coudre. Dans un dé à coudre. Comment ça, dedans? Bah, dans le petit trou où tu devais... Et en plus, c'est qui rentre dans... C'est grand comme ça, un dé bah à coudre. Bah ouais. Bah, qu'est-ce que tu mets dans un dé à coudre? Un doigt. Mais c'est en C. Sinon, j'ai plein d'idées. Heureusement, tu me l'as dit. Si t'es pas douée, tu peux faire sans le truc de l'alphabet. Rien que le jeu, ça peut marcher. Je sais pas pourquoi je suis partie sur le D. Heureusement, sinon là, j'allais me tromper. C'est pour ça que j'ai bon, quelque chose en C de tout petit. Une cuillère. Un fromage. Oh, c'est facile. Bah non, j'aime pas ça, je reconnais pas. Une vache qui rit, c'est pas en C. Ah si, j'ai. Ah ouais. Ah, je suis plus forte là. Raison justifiant une intervention des pompiers. Stop.
C'est fini. Ah, j'ai pas le temps de faire les deux derniers. En plus, le dernier, c'était mieux. C'est vraiment beau. Et ça se trouve, on pourrait lire avant de mettre le chrono. Tu sais, on fait la lettre au dernier moment. Juste ah, oui, sans savoir ce qu'on va mettre. Hein, juste lire. Alors, c'est parti. Façon dont le monde pourrait finir. Cuit. Moi, j'ai mis le chaos. Ouais, c'est pas mal. Deux. Allez, toi aussi. Cuit. Moi, je voyais bien le monde qui crame. Tu... Crame, ça marche. Genre, il fait 2000 degrés demain, réchauffement climatique. On cuit tous. Mot d'argot. Le cas pour dire le chat. Ah, je suis pas du tout douée. Et le cas pour le chien. Ah ouais, un chien. Je m'étais mis deux, t'as vu <sur les yeux. rire> Quelque chose qui tient dans un dé à coudre. Un cheveu. Ah, j'avoue. C'est au moment où je t'arrêtais d'aller faire ça ou je ne sais quoi et j'y ai pensé. Test Cosmo Magazine, Oli, êtes-vous charismatique. Êtes-vous chaud? Ah bah ouais, ça marche deux. Moi un alors, même pas, j'ai trouvé un mot, vas-y. On va dire j'ai trouvé un mot, mais si ça va pas trop, faut... Ouais, en vrai, pas. C'est... Tu crois que dans un magazine, ils vont te demander si t'es Oli, t'es charismatique? Oui, non, c'est vrai. Fromage. Cheddar. Camembert. Objet que tout le monde possède. Une couette. Une cuillère. Hey. Et deux. Raison justifiant une intervention des pompiers. Une chute. J'y ai pas pensé. Très bien. C'est vraiment bof de... C'est vraiment beauf. Crier. C'est crier comme un... Ouais. Non, crier, c'est vraiment beauf. C'est crier en public. Crier dehors. Ceux qui s'annoncent. Ouais, en plein marché. Bon, en tout cas, moi, j'ai préféré cette carte-là. Ou cette lettre. Ouais, aussi. Peut-être que c'est... On a, des fois, avec la même carte, on aurait peut-être plus d'idées si c'était une autre lettre. J'avoue que le N... Attends, on n'est pas encore tombé sur H ou K. Ah non, ça fait 2, 4, 6, 8, 9, 10. Je ne rattrape pas mon retard de la première manche, mais... C'est moi qui choisis les cartes. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de se lire la carte avant. Vas-y. De la lettre. Allez. T'as pas effacé tes points. Là, c'est d'en bas. Hein. C'est d'en bas. Oui. Façon de lui montrer ton amour. Les gens en veulent toujours plus. Quelque chose qu'on fait tous les jours. Chose humide. Chez les hommes, les femmes recherchent. Titre de chanson. Place. Prénom forcément suivi d'une particule. Je ne sais pas. On va passer le 7. Ouais. Recherche Google inavouable. Comment faire pour... Okay. Que chose humide. Montrer ton amour. Chose humide. Oh là là. Quelque chose que l'on fait tous les jours. Ah, j'ai aussi. Enfin, j'en ai trouvé. C'est dommage, un. Tu vois, en cul, cette carte-là, elle aurait été mieux avec une autre lettre. Bah oui. On relance, non? J'y ai pensé. Attends, vas-y, on se finit celle-là, vite fait. On essaye de voir, on cherche, et on fera une autre lettre avec la même carte. Vas-y. Si ça marche, j'arrive à en trouver, j'en suis à 4. Trop bien, moi, j'en ai que 7. Que 7. Je vois le chiffre, c'est du coup, je dis 7, j'en ai 15. Recherche Google inavouable, comment faire pour. Qu'est-ce que je fais tous les jours? Des caca. C'est pas un cul. Bah oui. Moi, j'ai mis deux trucs, mais. C'est histoire d'avoir mis un truc, hein. Bah ouais, moi j'ai rien mis. Oh, t'as raison, j'ai effacé mon score de tout à l'heure. Ouais, faut faire gaffe. Allez, vas-y. Façon de lui montrer ton amour. En fait, si par exemple l'autre il a un projet, enfin quelque chose qui est possible à faire à l'autre bout du monde et tout, et bah je vais le quitter par amour pour qu'il puisse réaliser son rêve par exemple. Oh. Je me suis dit en fait, il faut raconter l'histoire avec. Façon de lui montrer ton amour en quantité. Ah, ça marche ça, hein. Oui. En quantité. Les gens en veulent toujours plus. Ils veulent toujours plus de quinoa. C'est pas bon, en plus, c'est pas bon. Comment tu peux dire ça? La quiche? Ah, ouais, j'avoue. En tout cas, moi mais je te mets un. On est resté sur la bouffe. Tu me mets un? Ouais, moi j'ai 0. Bah non, ça marche. Les gens veulent toujours plus de quinoa. Bah t'as trouvé le mot, moi je dirais. T'as trouvé un mot qui correspond. Mais... Les gens en veulent toujours plus. Si ça se trouve, si t'as que des véganes. Ils auraient pu tous penser à mettre du quinoa. Donc je suis désolée, t'as un mot, moi je mettrais. J'ai un et toi t'as 2. Oh, parce que c'est mieux la quiche. Enfin, je pense qu'il y a plus de gens qui préfèrent la quiche que le quinoa. Enfin, je sais pas, mais. En tout cas, c'est plus savoureux. Quelque chose qu'on fait tous les jours, la queue de cheval. Bon, c'est lui, ça marche que chez les filles. Ah, j'avoue. Mmh. Bah, pas que, regarde, Giuliani a une petite queue. Alors, lui, c'est tous les jours. Chose humide. Ah, oh, j'avoue. Bah ouais, mais je me disais, ça devait être, tu sais, super facile parce que t'as rigolé direct. Ah ouais, et queue, je t'ai dit, ça m'est venu direct. J'ai eu la queue de cheval, puis après la queue. Inspiré. Chez les hommes, les femmes recherchent la qualité. Ah, bah ouais. Bah non, mais moi, je... Franchement, j'ai jamais été aussi bonne dans un petit bac. Titre de chanson, j'avais... T'entends pas? Il y avait Queen là qui chantait tout de suite. Non, mais... non, Queen, c'est un chanteur. Et bah du coup, je l'ai pas mis. Ah... J'ai rien trouvé. Si, il doit y l'avoir, mais on les connaît pas. Bah ouais. Moi, je me suis dit, il doit avoir un truc avec quitter. Toi, quitte-moi. Ouais. Et bah moi, quitter, je l'ai mis en 8. Recherche moi, Google, inavouable, comment faire pour quitter quelqu'un? Bah quitter son partenaire. De chacune. Du coup, le 7, on avait passé. Hein. Prénom ouais. Forcément suivi d'une particule. On regarde même pas utiliser mon téléphone. Alors, on regardera sur internet. 2, 4, 5. Oh là là. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oh là là. Le comté, la. Ah, le duc. La duque, la duchesse. La princesse. Ok, bon, d'accord. Le duc de. Je lance. Allez, tu tournes. Et on reprend la même. C'est parti. C'était laquelle déjà? 15. T. C'est mon premier aussi. Je suis plus inspirée aussi. Il m'en reste plus que 2. Je fais quoi?
tous les jours. Ah, j'ai pas eu le temps de finir. Comme quoi, tu vois, il suffit que ce soit une bonne lettre. De toute façon, lui montrer son amour, le fait de téléphoner, donner des nouvelles régulièrement. Moi, on peut mettre un téléphoner. La tendresse, c'est mieux. Ah, téléphoner. Bah, t'es le fait. Toi, t'avais quoi? Téléphoner. Mais t'es le fait de souvent penser à la personne. Tu m'aignes. Si, ça vaut deux quand même. Ah, ouais. Ah, bah, c'est là qu'on aurait dû mettre chez les hommes, les femmes recherchent et téléphonent tous les jours. Moi, j'ai mis de la thune. J'ai pas eu pour le 5. La thune, mais franchement, 2. Les gens en veulent toujours plus de la thune. Ouais, ça marche vachement mieux. J'ai mis du thon. Le thon 1 ou 0. Oh non, allez, je te mets 2 aussi. Ça coûte cher le thon. Non. Non, 1, ça va pas. Quelque chose qu'on fait tous les jours, t'as trouvé? Me tartiner une petite. Pour le goûter, tu vois, je me fais une petite tartine de biscotte. Je tartine ma biscotte. 2. Ça marche. Chose humide. Le trou du cul. Ouais, le trou du cul aussi, je mis 2. Et titre de chanson. Bah, j'ai pas trouvé. Toutes les femmes de ma vie. Je viens de penser à Take. C'est quoi ça? Take. Ah oui. Tu vois, c'était trop facile. Je t'ai dit, j'ai pas été inspirée. Prénom. Thibaut. Tiens, Thibaut, j'ai mis de la coteste. Thibaut de la coteste. Parce qu'il y avait le particule à la fin. Ah, bah vas-y, t'as 2, moi j'ai 1. Parce que bah si, t'as fait l'effort. La particule. Recherche Google inavouable, comment faire pour tirer un coup. 2, j'avoue. Moi j'ai mis terminé et j'étais pas. J'avais juste le mot. Bah comment faire pour terminer? Quelqu'un qui est en pleine action et qui n'arrive pas à terminer. Comment faire pour finir? Oui, voilà. Allez, 1. 2, 4, 6, 8, 10, 2. Hein? Bah si c'est possible, ouais, du coup tu peux avoir 16. Jusqu'à 16, ouais. C'est deux chats, tu peux avoir 16. 16. Bah c'est pas possible, t'as un. Tu peux pas avoir un chiffre pair. Ah c'est vrai, pas bon. Allez, dernière. C'est parti. Il faut qu'on en prenne une cool avec une lettre facile. Au pire, on relance. Moi j'ai ça, ouais, on peut relancer, ouais. Mot pour décrire ta première fois. Mmh. Quelque chose, ça change quand tu as des enfants. Dormir. Fait indéniable partie de la culture française. Discipline des Jeux Olympiques d'été. Tu ne peux pas lui en parler au premier rendez-vous. Quelque chose de dangereux et mon anti-stress, c'est... C'est dur un peu, hein. Plus ça va par vas-y. Oh. Oh, oh. C'est dur ce genre de voyelle. J. Allez, on peut J, hein. Q, t'as bien le cul. G, allez. Bon. Ça va pas être facile, ça. Mais viens, on change. Ah ouais, G. Moi, j'ai de la... V, allez, c'est parti. Oh, je sais, G. Ça change quand tu as plus d'enfants, là. Au rayon frais, il y a du... C'est fini. G. Mot pour décrire ta première fois, c'était bien. Vaillante. J'ai pas pensé à ma vraie première fois. Moi, je me suis dit, je vais trouver moi en V. Ça. Ça change quand tu as des enfants. Ma vulve. Oui, absolument. Elle m'a bien changé. J'y ai pas pensé. Non, j'y étais pas. J'en ai pas. Fait indéniable partie de la culture française. Le vin. Le vin rouge. Là, oui, ouais. Effectivement. Surtout en France, absolument. Le vin rouge, ouais. Moi, j'ai mis Victoire 44. Mm-hmm. Les victoires, on en a eu. Discipline des Jeux Olympiques d'été, j'ai mis le VTT. Alors, j'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'ils mettent dans les disciplines? T'as trouvé un truc ou pas? Non. Vas-y, je mets 0. Je sais non, pas du si, tout, si. Mais je sais pas. En, bah, en tout cas, c'est une discipline de sport déjà, donc je te mettrai 1 sur. Après, ça fait peut-être pas partie de nos Jeux Olympiques. Tu ne peux pas lui en parler au premier rendez-vous. Un vice. Ma verrue. Ah, grave. Ma verrue à une partie verrue intime. Non, bah non, une verrue tout court d'ailleurs. C'est oui. Et moi, un vice, tu en parles pas le premier. Bah oui, ça c'est 2. Quelque chose de dangereux. Pas trouvé. Visiter une prison. Visiter, je pouvais tout mettre. Mais bon, j'aurais plus mis. Dangereux. Mais ça plus pour terrible. La personne qui vit dedans, ouais. Vivre dans une prison. Ouais. Que plus visiter. Mais... Non, de... Non. T'as eu l'idée, mais si, t'as eu l'idée. Ouais. C'est trop bizarre, mais j'ai rien trouvé de mieux. Mon anti-stress. Tu sais, il y a des gens, quand ils sont stressés, ils vomissent facilement. Mais est-ce que du coup, ça les détend de faire ça? Je sais pas trop, mais. Mais non, mais on peut mettre 0. Mais ça marchait, c'était un V, j'y avais pensé. Si on fait les totaux, t'as combien? 46. 42. Wouh! T'as gagné. Mais je devrais avoir moins. 10. Non, j'ai cru que c'était un 8. Ah, 25, 30, 38, 42. Non, ouais, c'est ça. Bon. Bon, tu préfères quel jeu entre celui-ci et celui qu'on a testé la dernière fois? Ah, j'aime bien celui-là. Déjà, le fait d'écrire en version petit bac comme ça. Mais je pense qu'il faudrait qu'on regarde combien de temps ça fait le minuteur. Si ça se trouve, c'est trop juste. Et puis surtout que là, ça change du petit bac. Parce que le petit bac, à chaque fois, on met prénom. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pays, ville, continent, les animaux, les fruits. Alors que là, ça change vraiment à chaque carte. Il y a plein de thèmes différents. Limite, tu peux garder, te dire, on prend une carte et on se fait 5 lettres. Ouais. C'est pas mal de refaire la même carte. Si la carte t'a beaucoup plu, tu sais, que t'avais eu des idées sur tout, on se dit, vas-y, on rechange et on met notre lettre. Tu peux aussi te faire un essai, te prendre la carte et te dire, en fait, on met plein de lettres. Tu cherches pas, celui qui vient à l'esprit, tu joues pas avec le dé, juste avec le temps en version petit bac, mais sans lettres. Et avec les cartes, vu qu'elles sont déjà toutes préfaites. Et il y a même pour les enfants en version animaux.
Voilà pour cette petite partie. Un nouveau jeu actuellement, mais la prochaine fois, je pense à toi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, c'est le moment de liker, de nous laisser un petit message en commentaire et de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bye bye. Salut. Merci Kelly. Et un petit mamie moule Mati, quand tu le sens.